Dossier Joël Kaolia, mesdames et messieurs, ce n'est pas un dossier qui a co-fini. Il y a un reportage qui fait en 1997, côté Ote Kembe Joël Kaoli dans la drogue. Mais bien avant que nous portions un reportage ça pour vous, ensemble avec moi, nous prenons le temps des déclarations et d'Ozeni, ancien sénateur sud-lan, mesdames et messieurs, sous question libération Joël Kaoli et surtout qui a tacle John Colan Morvan. Ensemble avec moi, mesdames et messieurs, tout à l'heure comme ça, nous prenons joindre plus de détails. De Pierre Martelly Marie, li pawe en haut, li pawe en bas. Déclaration Jean-Pierre Bailly, mesdames et messieurs, si on déclaration nous pral tande. Martelly te gagné jusqu'à 30 novembre 2022 pour être capable de ramasser bagage li dans le pays États-Unis parce que li gagné non qui cité dans une sanction que Canada lui-même li arrivé prend ancien président républicain qui t'a nan détournement l'argent, blanchiment l'argent. Corée, groupe bandit et corruption en pays d'Haïti. Ensemble avec moi, nous prenons le temps de qualité déclaration si la bagayo prenons l'autre direction à l'équilibre en un pays d'Haïti. Gros scandale dans la caisse assistance sociale. Mesdames et messieurs, côté directrice Edwin, t'es gagné pour lui passer devant ULCC hier 1er décembre 2022 pour une question de fraude. C'est un employé qui a travaillé en dedans depuis plusieurs années qui arrivait dénoncer manigance sa yo. Sans nous pas oublier, Jean Morose et Wall, directeur général EDH là, tenant mitant yon scandale avant hier là. Scandale si là, son question de l'argent. Qui quantité l'argent qui a touché et qui quantité l'argent qui a sorti dans la caisse EDH là chaque jour pour approvisionner famille. Chaque jour, mesdames et messieurs, alors que en Haïti, n'a fait face ensemble avec ça qui relait Blackout là. Chaque monde a réglé zafè yo. C'est toute information avec divers lot qui pral faire essentiel actualité nous jodi ya. Coucou tout le monde, bienvenue sur InfoSec, chaîne information nous avec Fabiola Jean-Charles et c'est toujours un plaisir pour nous rentrer la caillou ensemble avec rubrique information ça. Bien avant nous aller plus loin n'a prend temps pour nous dire merci ensemble avec même qui like, qui commenter, qui partager. Merci ensemble avec ou même qui toujours prend le soin inviter une famille ou un ami ou abonner ensemble avec InfoSec pour capable toujours être connecté ensemble avec bonne information. Jeudi à c'est vendredi 2 décembre 2022. Et comme je dis à la, mesdames et messieurs, ce week-end, nous capables d'aborder quelques autres sujets. Qui donc, n'a fait émission, n'a essayé de passer sur un sujet pour vous qui vraiment, mais vraiment important. Nous toutes des nouvelles qui te fait comprendre que DEA a gagné pour débarquer, vin arrêter Youri la Tortue ensemble avec Joseph Lambert, pas vrai? Et bien, dans le moment ça là, il y a une grosse pression qui a fait sous Ariel Henry. Parce que, selon deux mouns, c'est Ariel Henry qui a livré yo ensemble avec États-Unis à Canada. Mais question qu'a posé, comment Ariel Henry pral faire livrer nous alors que nous passons 20 ans à travailler pour États-Unis, 20 années à bal service? Nous passons 20 années côté États-Unis gagner contrôle moindre geste que nous fait. C'est eux-mêmes qui peuvent décider pour être capable d'intervenir. Pas oublier, dans l'année 1900, DEA a arrêté Youri la Tortue pendant que il était sur le point pour accompagner Totol Gérard la Tortue qui t'apprête à participer dans une conférence, mesdames et messieurs. Eh bien, c'est Gérard la Tortue qui prend jouer tout contact qui gagne exactement pour être capable de faire libérer Youri. Et là, il fait libérer Youri, il dit ok, Kounya là, n'a besoin pour Youri la Tortue gagner son immunité. Et c'est là, Youri la Tortue pral briguer premier mandat en tant que sénateur de la République d'Haïti. Qui donc là, États-Unis pas d'ap gagner capacité pour yon manye Youri la Tortue.
gen différents détails. Yo t'ai arrêté dans moment pour une question de dealer de drogue. Après ça, Youri la Tortue pral participer dans cellule anti-gang ak anti-corruption dans l'armée d'Haïti. Youri la Tortue qui c'était un ancien militaire t'a gagné tout privilège qui t'a existé. Joseph Lambert non seulement il pas fait rien dans tiré Sénat qui était là, mais aussi il a gagné accusation l'a appuyé groupe armé sous dol. Accusation que l'a appuyé groupe armé sous dol, mesdames et messieurs. Donc nous capables de comprendre qui ça veut dire exactement. Et Joseph Lambert gagne l'autre accusation sous dol, tout comme quoi lui t'a fait assassiner un individu. Jusqu'à présent, Sénat pourquoi capable de dresser un rapport sur ça. Et nous songeons André Michel tape défendre Joseph Lambert. Donc situation lui-même, lui ont ti gens compliqué. Donc, dans la question du dossier, si là, nous gagnons Joseph Michel Martelly. Joseph Michel Martelly, mesdames et messieurs, qui a gagné jusqu'à 30 novembre, selon déclaration Jean-Pierre Bailly, pour être capable de quitter les États-Unis. Si aubaine que yota fait là, li fini. Qui donc, faut rentrer dans le pays d'Haïti pour être capable de prendre sentence. Si. Faut rentrer dans le pays d'Haïti pour venir capable de répondre ensemble avec tout crime yo arrivé accusé yo. Je dis à ces derniers jours, Adeli. Qui bon, États-Unis. Ça veut dire ça. Il doit partir vite. Il doit laisser. Rapidement. Il a reçu un coup de fil de l'équipe de Clinton. Sortez-moi là. Qui ça? Oh. Président Adeli, oui. Il doit partir. Je vais pas y. Il doit partir. Vous écoutez. Adeli, il doit partir. Sortez encore. Répondez-moi. Michel Martelly te gagne jusqu'au 30 novembre pour séjourner aux États-Unis. Oui, ça. Ça veut dire qu'il devra trouver un endroit plus approprié qui n'a pas gagné extradition pour la séjourner. Donc à partir de week-end, ça, nous avons un petit problème technique. C'est quoi les garçons fait là, oui. Mais c'est ça lié. Le président Michel Martelly a obligé de quitter l'État. Il devra. Ah, il devra. Non, non. Ça veut dire que s'il n'a pas fait lui, où est Michel Martelly a parti? C'est toujours parti par Saint-Domingue, pour qui ça? Non, je ne sais pas. Ah, Mabdou. Je me voyage à Michel, je suis tourné sur Miami. Michel finit de jouer Miami dans. Comment tu dis? SOBIZ. SOBIZ, belle bagaille. Non, pas que SOBIZ Miami. Non, tu es SOBIZ Miami, Downtown Miami. Michel a joué époque Gaillac, époque Gros Monsieur Militaire. Époque ça, non, balle Michel a crasé balle bien joué. Et puis, je suis tourné à Haïti. Moi, je finis de régler, je suis dans le séminaire, je fais une formation informatique. Et puis, on était à moins que 45 minutes de Port-au-Prince. Mm-hmm. Et puis, nous prenons un trou d'air. Le gros avion saute, descend de 100 mètres dans le trou d'air. Et puis, le cougnier, la stewardess qui t'a ban manger, la carousel l'a crasé, monsieur, dans le plafond. Hein. Mm-hmm. Donc, monsieur, qui vient endommager colonne vertébrale, l'obé. Et puis, on dit que pas gagné ER Center en Haïti. Alors, centre Ben Amusant, pas de coéquipé. Mm-hmm. Et puis, nous avions fait demi-tour, atterri Miami. Nous retournons Miami. Et puis, on est passé dans l'immigration Miami. Mm-hmm. On ligne pour US. Alors là, c'est pour expliquer qui voilà. Est le passeport. Voilà. Qui passeport. Dans ligne US Citizen and Canadian. Je me suis un passeport canadien. Okay. Et puis, moi, Michel, dans même ligne avec. Dans même ligne avec. Ah bon? Moi, je dis, Michel, ça l'a fait là. Donc là où même vous créez que. A même créé passeport du. Non mais. Le président Martelly c'est américain. Américain lié. Ou grâce à ça? Am certain. Okay. Il a renoncé à sa nation haïtienne pour acquérir une deuxième, une nationalité étrangère qui est l'américaine. Donc sous base d'expérience qu'on te vive à. Que moi vive à Michel Martelly, dans ligne, l'avion a été tombé 100 mètres. Bien. Ok. Yo te wo ambassade du Canada. Alors c'est ça. Un pot de fleurs. Et alors, pour qui ça geste ça? Yo dit qu'au bas on lisse tout. On les non, nous non, non pas, c'est pas là ça, non c'est pas là ça. Ok. Nous parler de situation politique là, nous bail qui monde qui c'est danger numéro un pays à. Ah bon? Oui. Oh, oui. Sorti là. Où qu'on les soumet? Nous parler de Mounio. Ok. Où qu'on est nous-mêmes c'est l'ambé, Calbas, Groudjol, Nouye, nous parquer des crasses. Donc tout bas nous scouper là. Non mais qui est? Qui nomme nous c'était? Ou bail. Premier monde qui danger public numéro un c'est Ariel Henry. Sois-y là. Ah, oui. Deuxième. Premier ministre là, oui. Oh, mais non, monsieur son agent CIA. Représentant aussi. Là, l'église de sa. Ariel Henry, c'est un agent CIA. Waouh.
Information très instructive, n'est-ce pas? Ariel Henry, Jean-Michel Soukarté dit là, c'est un tchoul américain. Hey! On continue. Adventiste, c'est l'ordre de la recevoir. Parce que le grand et le grand CIA et le plus grand chef de la CIA, c'est James B. Fulfer, qui c'est un pasteur adventiste. Hey! Ah, donc c'est ça que fait Ariel Henry Adventiste, c'est ça que fait Liz Kittel Adventiste, c'est ça que fait Jimmy Michel. T'as l'heure, ça qu'a passé comme ça? Ça qu'a passé comme ça? Non, fan tende, Jean-Pierre Baye. Ça que y a fait dans le pays ici, y a créé des conseils. Il y a formaté tête tinègre haïtien pour fonctionnement dans un sens blanc pour dire yes Mr Blanc qui l'autre mais Laurent Gagotte Laurent Lamondé oui son agent en fait c'est des monde qui travaillent Laurent Gagotte c'est nouveau nom Laurent Lamondé donc non voilà ça son nom OK parce que pour l'agent Laurent Lamotte gaspille dans la question Petro-Caribé. Pour la jeune dépense, elle était ministre affaires étrangères. Premier ministre pays d'Haïti, ça va d'accord l'autre que Laurent Gagotte. Bravo. Ça, c'est un joli nom. Un très joli nom. Pour craser pays, bien sûr, le vous grand sénateur K. Lambert. Ok? Ou bien Lambert. Ah oui, Lambert. Et Lambert lui-même, nous-mêmes dit Lambert par exemple qu'il doit aller Saint-Domingue. Lambert va faire Botox si pour aller prendre Saint-Domingue chaque fin mois. Faut aller prendre médicaments pour cancer prostate qui a fait une bonne alia. Tout le monde va parler là. Monsieur prend note. Canadien prend note. Prend note. Qui l'autre tombe encore? Eh bien, Ronnie Célestin. Ronnie Célestin. C'est Hervé Foucan. Hervé Foucan. Oui. Grâce à Delva. Grâce à Delva. J'ai 4 cailles qui ont 4 millions de dollars. Lambert adresse cailles tout. Ok. 5 pompes de gasoline qui a desservi 44 machines en même temps. Adje, ça veut dire, si tout bagay sa yon ka passe dans le pays, nous pas au courant. Mais cause, si tout bagay sa yon ka passe dans le pays, nous pas au courant. Bon, non, geze. Non, geze, oui. Geze. Ou bah, toute information ça ou. Oui, nous pas adresse, position GPS, kayo. Ok. Ok. Bien sûr, il y a Grégory Meuse. Ok. C'est lui qui a vendu 200 000 gallons de gaz sous frontière. Chaque jour, il a fait 500 000 dollars. Il y a 100 camions de gaz galva, oui. Monsieur Rangé à barbecue pour faire des ordres, la couper, route, bagaille. Ou pas, j'aime compte qui boit tant de gaz à eux pour aller. Eh bien. Il est entré dans le terrain vide. Ok, qui appartenu au Meuse. Ok. Il a fait transvasement. Il a transbordé. Gaz là. Dans Doom, 55 gallons. Mais il mettait 50 gallons. Okay. Il a fourré dans des forward. Bah 20 gallons par en bas, 20 gallons par en haut, et puis au jambé frontière, général dominicain qui me fait déplacer sous frontière, attention, ok, il te fait 100 000 dollars par jour. Oh, 100 000 dollars par jour. Parce que gallon gaz a acheté ici à 2,50 $. US! Adieu! Non, voilà, Jean-Pierre Baïta est un monde qui rempli par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait qualité déclaration ça y est dans ce moment-là. Et, dis-nous ça. Gide Serimoun, là nous t'en déjà parlé en Haïti. Pas prendre pour cacachat. Pas prendre déclaration ça y est pour cacacoc. Gide Serimoun, tant que Jean-Pierre Baïta, là a parlé, yo au courant et yo connaît, yo certifié ça abdia. Si nous voulons prendre pour plaisanterie, prendre pour plaisanterie. Mais pas de plaisanterie là-dedans. Faut nous finir de oui. Faut nous finir de pas jouer. Pas jouer. Sous tête haïtien. Je vais pas y. Ça a dit là. Grégory Meuse. Vous écoutez. Le terminal va où? Battez débat. Oui. Oui. Eli. Oui. Ok. Grégory Meuse. Chargé 100 camions. Soi-disant. Pour l'alvoyer dans pompe gaz, okay. Ou pas jamais connaît qui boit destination camion ça yo. Okay. Moi, dis dîner, on mette GPS sur yo. Ah, dis, regardez ces gens, ministre, comment ça? Ça te dit, tu dois mettre bagage. Ah, ça va dire, là. Et Bounanini? Dès le Bounanini, capet de la boîte. Regardez ces gens, oui. Ah, mon cher, monsieur, sont incompétents, on est incompétents. Oh! Tendez assez. Je pense que nous tendez assez.
Donc, mesdames et messieurs, l'on a gardé Jean Bagayo a parti là. Ka grave. Non, ka grave. Pas de maladie, pas de l'amour dans le pays d'Haïti, mais ka grave. Eh bien, on continue. Kounyalan pral tombe sous Joël Kaoli. Joël Kaoli sa, juge Jacques Mella, prend sol, li libéré sous une caution de 3 millions de goudes. En tant de reportage sa qui fait depuis nan l'année 1997. Même si la chiffre nous gagne, la chiffre n'a poté pour. En tant de. A monsieur Joël Kaoli, 8 nan monsieur Sayo, gen nationalité étranger. Commissaire gouvernement Jacques Mella, met dans ton léger précisé. La justice pral fait travail li nan kasa sans parti pris. Li pat ka bayon chiffre exact, mais met dans ton léger souligné 19 sachets cocaïno ka coûté plusieurs milliers de dollars américains. 19 paquets de cocaïne et non seulement nous saisi cocaïno, nous arrêté près de 10 nèg tout qui était à bord équipage là pendant tout que nous possédait arrestation de propriétaire bateau qui c'est monsieur Joël Kaoli. Nous simplement arrêté tout nèg qui directement impliqué ou indirectement impliqué dans la question. Nous arrêté et nous pral remplir les formalités que la demandé nous pour nous remplir. Nous avons fait saisir un cabinet d'instruction et tout ça nous pour nous faire c'est la justice qui est capable de connaître qui nèg qui est condamné, qui nèg qui pas de condamné, mais fait sérieux c'est que nous arrêté tout nèg en bas côte et nous pas bailler liberté provisoire. Bon, nous pas spécialistes en la matière. Mais c'est 19 paquets de cocaïne. Des spécialistes qui ont cocaïno, ouais, c'est des bagailles qui sont très forts. C'est des cocaïnes qui ont une certaine pureté. Donc ça veut dire que c'est des bagailles qui chèrent sérieusement. Plusieurs milliers de dollars. Saisi doigt sa fête dans Jacques Mel, lundi 30 octobre passé, responsable de transporter 19 sachets cocaïno dans le local commissaire police nationale dans Port-au-Prince. N'a pas souligné collaboration police nationale avec Minua pour arriver à faire arrestation sa yo dans Jacmel. Et voilà. 1997. Joël Kaoli. Joune jodi à la que BLTS te arrêté, yo libéré. Le parti frappe, non? Adieu. Et parti frappe piti, non? Agent BLTS yo pa pran la. Donc faut que nous contrôler. Qui j'en bagay yo même, yo ap déroulé dans pays ya. Yo libéré Joël, moi m'te vle pote reportage ça pour nous te capable comprendre qui ça qui a passé exactement en dans pays ya. Et ensemble avec moi, en tant de déclaration et dozeni, ancien sénateur, en tant de. Tout bagay dans pays ya, bon, tu vois, laisse moi te dire. Et on posait une question, on dit, je me sentais, j'étais là, j'étais présent. Ok. Et j'ai contribué aussi à la libération de mon beau-frère, parce que j'ai fait voir les points du doigt à travers dire, ça qui était important pour moi, c'est pas de barrer route, c'est pas de craser ville, moi. J'ai contribué à la libération de mon beau-frère. Donc là, bagaille compliqué. Faut que bois des bananes nous en dans pays d'Haïti pour capable camper parce que me garantis ou c'est penché ou ap toujours penché. Ah bon. Et que ça bagaille ou a déroulé là. Hey! En tout cas, on continue. C'est deux ennemis. M'a qu'on craser, m'a vle craser, m'a craser dans dernière limite là. Et ma ville qui est déjà là, cette ville qui m'a vu naître, qui m'a fait, je vais pour une bataille complète. Parce que tu vois, donc, les 10 nègres BLTS, même des cabarets, là, au côté où vient prendre mon frère, là, côté où je suis habité, et en plus de ça, à 7h30 du soir, un mandat, sans mandat en main, et ça, on va recommencer, sénateur, une forme. Où t'es cabaret, yo? Hé! Aussi, sénateur, là, il a toujours gagné immunité. Oh, est vrai. Est vrai, il a droit. Il a droit. Il faut garder les faux avocats. Continuer pour nous frapper et BLTS pour ça le faire. Parce que la justice n'a pas qu'à vivre de rumeurs.
Il n'y a pas de qui campait en radio et puis les deuxièmes qui se volaient et puis des milliers de monde d'accord et deuxièmes qui se volaient. Et même la justice de mon pays et même la BLTS, une fouillée quand on est parce qu'on grigne dit. L'âme d'accord avec elle. C'est pas pour ça qu'on est dit pour aller faire arrestation. Mais les preuves qui étaient là déjà. Zame de guerre ça, quand tu t'apprends la veille. Gaza crimogène ça. Est-ce que Joël lui-même est dans la police nationale d'Haïti? Est-ce que il a droit de gaz crimogène la Cali? Pile cartouche. Agence de sécurité? Adieu, voilà, sou pa chèche ti pou swa, fè corbel an dan peyi sa, wadim comment wa passé. En tout cas, mesdames et messieurs, voilà, gros scandale, pété, gros escombrite pété dans CAS encore une autre fois pour question de détournement l'argent. Dans EDH même, c'est pas parlé. Jean Ewol Morose, c'est 25 000 gouttes par jour, li prend pour le bail si à votre la caille, li fait manger. La caisse EDH là. Qu'est-ce que c'est là 25 000 gouttes par jour pour ma haut. Bah, yo, chèm, ka kopren. Ka kopren e wol. Bon, moué, ti sak du rien, si la pache sa ki gen 8 mamit lan la paye le plus passe $1,500. Galon l'huile presque 2500 dollars, ou kopren? Pour, non, mes amis. Oh, en tant que yon directeur, il faut respecter le directeur. Il faut respecter le directeur. Il va ka aller n'importe qui jan faire manger la kali et ti salade. Ti lapin, lapin nou, et ti bagay sa yo, que la fè la kali. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est comme ça pays a déroulé là. Corruption, trafic illicite, trafic zam, blanchiment l'argent, détournement l'argent, bay zam, koré bandi, mais qui ça? Qui pays d'Haïti dans le moment où on a parlé à la? Éducation disparaître, santé disparaître, toute infrastructure pas existé encore. Et voilà. J'aime te dire, nous, jeudi à vendredi, nous capables de permettre nous quelques petites douceurs. Est-ce que des veines existent? C'est une question ça qui tourne en boucle dans la tête nous. Il y a quatre personnes qui disent que ont des veines. Mais l'autre ou des veines, qui ça qui est capable de la cause ou des veines? Gen qui dit c'est Guillon, gen qui dit c'est Pichon, la gen sou yo, gen qui dit c'est un mal que yo fait yo. Donc là, yo capable de veines. Mais moi en soi, est-ce qu'elle existe? Nous tout la connaît que cause Guillon, li certifié que moun ki nan secteur vaudois, yo kwè la donne en pile. Et spirituellement, nous capable di Guillon existe parce que c'est comme si c'est un fluide énergique que ou pren la kay yon moun ki négatif. Nan relation sexuelle, oui, li existe. Jusqu'à présent, yo prouvé. Donc, ça qui a mis ton devin sous, qui empêche ou avancer, qui empêche que ou réaliser rêve vous, mais qui j'en ou kabat, combat devin si là. Qui j'en ou pral fait pour retirer, gen moun qui disait ben pour prendre, gen moun qui disait libérer pour libérer tête tout, gen qui disait démarrer pour démarrer tête tout, mais ou même, qui soit pensé exactement de devin. Qui soit pensé de devin. Mesdames et messieurs, avant nous aller, faut nous fonti parler football, parce que jodi a groupe H, ensemble avec G, t'as supposé jouer. Corée du Nord bat, en fait, oh, désolé, mes amis, oh, excusez-moi. Dans le moment d'en parler à la match en cours, donc c'est un match nul entre Corée du Sud, ensemble avec Portugal. Un à un, et Portugal, nous dit qu'on est qui gagnait ticket déjà pour lui capable arriver dans huitième de finale. Ghana, Uruguay, Uruguay a mené 2-0 sous Ghana et match à lui-même, lui en cours. Mesdames et messieurs, à 2h de l'après-midi, n'a gagné Serbie contre la Suisse et Brésil contre Cameroun. Brésil, nous connaît qui gagné ticket déjà pour huitième de finale. Yon Brésil,
qui pourra jouer sans présence Neymar, qui capable de capacité pour les souterrain jouk non final après yon entorse compliqué que l'état arrivé fait dans premier match à Brésil qui était opposé pays ici là contre la Serbie. Mesdames et messieurs, côté Brésil t'apral bat Serbie 2-0. Deuxième match l'état pral bat la Suisse 1-0 et jodi c'est dernier match phase de poule pour capable rentrer directement dans 8e de finale là. Donc il est vraiment important là pour nous capable connait qui Jean bagaille même yo a déroulé. Nous rendez-vous pour prochaine sortie rubrique ça. Restez baignés, protégez-vous. Bye bye et bon week-end à vous tous.